Okay, now for example, free over here, let us have a look at it. L'interno cum ça que we have a wire of length 1 meter. Ah, and si peu pareil moi sa description moi ti donne là. We have a wire of length 1 meter. It is bent to form a sector. A sector of radius r centimeter and angle theta radians. Ça veut dire ça qu'il faut bien comprendre c'est que we have a sector. A sector is like this. L'interno comme ça que ce radius. The radius is how much? Get bien. The radius is r. The radius is r centimeter. And this is in terms of theta radians. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas qui veut dire theta radians, pareil comme on a un degré, which is a measure of angle. We also have something which is in terms of radian. Radian, c'est quoi ça? Alors, radian is another measure of angle. Pareil comme un degré, ici, nous allons en termes de radian. And radian, voilà. Rappelez bien, pi radian, c'est niveau 180 degrés. Ne vous stressez pas. Ceux qui ne connaissent pas, et ça peut être radian, c'est une trigonométrie. Pas besoin de caster. I will make sure that it does not interfere with the explanation over here. Allez. L'interno comme ça, find values of r and theta. Pareil, même question. T'as là, c'est nous find value of t, que le greatest amount of water is pumped. Qu'est-ce que tu veux faire? dA upon dt égale à 0. Exemple 2. Alors, find values of x and y qui fait t et un minimum soit maximum. Refait dt upon dx égale à 0. Soit nous fait dt upon, soit nous fait dt upon dy égale à 0 dans l'exemple 2. Ici, c'est pareil. Find values of r and theta for which area of the sector is greatest. Maintenant, pour ceux qui jamais pas fait de maths et pas pour vraiment connaître en radian, à moins de tout en apprendre que pour la forme 5 ou soit pour la forme 3, pour la forme 2, vous en apprendre area of the sector c'est quoi? Area of the sector c'est theta le 360. Je vais mettre l'hyper ici. Je dis d'apprendre que area, c'est theta, le 360 degrés fois pi au square. Ça, c'est area of a sector, but in degrees. C'est ça que je dis d'apprendre. Pour ceux qui ne parlent pas de radian, juste la formule qui change. C'est tout. Que la formule qui change, ensuite le tout les reste pareil pour ici. Nothing changes, everything stays the same. Par contre, voilà, et le fait qu'il y ait cause pour area ici, la même chose quand nous cause area of a sector, en termes de radians, qui formule nous observons? Nous observons comme formule half au square theta. Voilà. Ça veut dire que juste en a pour mémoriser formule là, c'est tout. We are not going to use this one because it is in terms of degrees. We are going to use this one because it has been stated that the angle at the center is in theta radians. Pas juste ça. Même ça, en mètre là ici. Nous visons qu'on vient de l'élever en centimètres là. Parce que l'indien-moi, the radius is r centimeter. Ça veut dire que je fais tous mes calculs. Je vais faire tout en centimètres. L'indien-moi, mon angle est theta. Oui, mais seulement les theta radians. Alors, si je vous servir area, je ne vais pas gagner le droit de servir theta 360 fois pi au square. Je vais servir half au square theta. Vous avez ces idées-là. C'est tout. C'est toute différence qui pourrait être en radian jusqu'à ce que vous appreniez bien à la perfection dans la trigonométrie, which is the next upcoming topic pour la forme 4 at maths. Allez. Ça veut dire en d'autres mots, je vais vous servir area of sector. Je vais vous servir area of sector comme half is equal to r square theta. Now, let us have a look at this one. L'indien-moi comme ça que. We have used a piece of wire. Nous servions une piece of wire, une cabosserie, pour nous faire sa secteur là. Ça veut dire que nous prenons ça. Piece of wire là, nous faisons bien sa forme là. Nous faisons des vignes comme ça. Après, nous faisons des vignes comme ça. Quand nous cabosserie, nous faisons tout.
Nous ne venons pas chercher les plats. Ce périmètre peut donner moi 1 mètre. Voilà. The perimeter is equal to 1 mètre. Vous avez bien ces idées-là. The perimeter is equal to 1 mètre. Maintenant, rappelez bien. Comment je fais un périmètre ici? Allez, périmètre, vous faites R plus length of arc. Vous êtes d'accord? Vous faites R plus length of arc. Maintenant, rappelez bien. Quand je fais length of arc en degrés. Pour ceux qui vont faire maths once again, quand je fais length of arc en degrés, formule là qui était. Theta au 360 fois tout paio. Area en degrés. Theta au 360 fois paio square. Mais quand je peux faire length of arc, regarde bien. Quand je peux faire length of arc en degrés, c'était theta sur 360 fois 2 pi r, ça c'était quand c'est en termes en degrés. Mais la même chose maintenant. La même chose maintenant pour length of arc, living of theta. Quand c'est en radians. Alors, rappelle bien sa bonne partie là, pour ceux qui parlent de maths, surtout ceux qui pas connent. Quand c'est en radian qui bat une formule là, vini. Quand c'est en radian, area becomes half of square theta. Quand c'est length of arc, en radian, c'est half theta. Ça veut dire ici là, ne pas pousser vini, ni ça qui degré, parce que l'infini bound nous, l'infini fait nous comprendre que theta is in radian. So, whenever you're using area for this sector, the fact that theta is in terms of radian, you're going to use this as formula for area of sector, which is in terms of radian, and you will use length of arc as of theta, which is in terms of radian, because the angle subtended at the center of the sector is in terms of radian. So, basically for this one, the length of this arc, what is the length of this arc going to be? Alors voilà, the radius is r. What is the radius? It's r. So r stays r over here. Moi, je vais prendre formule là. Je vais remplacer là. Allez, si r est en 2, si mon radius est en 2, il est 2 theta. Mais mon radius, combien là? Mon radius, c'est même r. Ça veut dire r est r. Si mon angle est 2, il est 2 r. Mais malheureusement, voilà, theta. Alors, what is theta from the diagram? Theta is theta. Ça veut dire mon formule r theta. Mon formule r theta qui est devenu. Quand on remplace radius par r et quand on remplace theta par theta, ben, il retourne moi à r theta. Vous avez bien saisi. So, for you to do the perimeter is r, plus the length of the arc, which is r theta, est égal à combien? Pas oublier, je bise maintenant en centimètres, because r is in terms of. Because R is in terms of centimeter, the parallel right is égal par 1, sinon c'est pas fait foot grave. Ok, so far it's good for all of you. Ça veut dire cela vous donne combien? Cela vous donne 2R plus R theta est égal à 100. Vous avez bien saisi, alors cela vous donne 2R plus R theta est égal à 100. Je vais appeler ça comme ma première équation. Vous avez bien saisi là. Je vais appeler ça comme ma première. Je vais appeler ça comme ma première équation. Maintenant, once again, as you can see, libédiez-nous comme ça, find values of R and theta for which area of this sector, for which the area of this sector, it has to be greatest. Allez, let us have a look at this one. Let us have a look at this one over here, for which the area is greatest. Once again, if we have a look at it, allez. Area, ce formule, c'est quoi? Area, ce formule, c'est half of square theta. Ah, nous récoincer au point de coude. Moi, j'ai envie de prendre une valeur R avec theta. Pareil comme tout à l'heure là. Comme j'ai envie de une valeur X avec valeur Y. Comme j'ai envie de une valeur X avec valeur Y, qui tu peux faire T capital. Comme j'ai envie de une valeur X et valeur Y, qui tu peux faire T capital, gain minimum, soit maximum. Qui veut-tu bien faire? Je vais bien premièrement exprimer T, soit en termes X, soit je exprime T en termes Y. C'était ça qui nous peux faire tout à l'heure là. Soit je fais T en termes X, soit je fais T en termes Y. Vous avez saisi par ici là. La même chose. The same to same over here. La même chose. Get bien. Je vais reconnaître qui va le R, ou soit qui va le theta. Je vais reconnaître qui va le R, ou soit. Qui value of theta, which value of R, or which value of theta,
makes this area greatest? Which value of R and which value of theta makes you have greatest area? Be premièrement, mon gars, greatest soit least area vous autres. Mon pas besoin faire DA upon quelque chose. Pour moi, tu gagnes minimum stationary point, soit maximum stationary point tout à l'heure là. Mon pas besoin faire DT upon DX égale à 0. Ou soit, mon moi, tu disais, nous avons aussi fait DT upon DY égale à 0. Be la même chose pour ici. Be once again, as you observe, this area. The area over here, as a note, the area is a function of, the area is a function of two variables. The two bit roubli bien la gête bien mot area, li en function of two variables. Alors, dans toutes questions, li pourrait ça comme ça, si alors, apprenez ça bien vous autres. Le fait qu'il mot area en function of two variables, ben mot pas pourquoi pas différencier area là, je peux saisir la voilà, allez. Moi, j'appelle area là comme A. Ça veut dire en d'autres mots que A, les une function of two variables. Mais nous ne pouvons pas différencier. Comment vous différenciez? Comment faire D upon D? Comment faire D upon D theta? Soit vous faites D upon D, soit vous faites D upon D theta. Mais vous avez premièrement, alors vous faites le tout vinensel, un seul variable. Soit le tout vin en terme R, soit le tout vin en terme theta. Alors, je rappelle bien sa même technique là, parce que nous pouvons commencer à poser dans le topic là, vous autres. Alors, je commence là, là. Je te rappelle, toi, la base de x plus y égale à 6. Tout à l'heure, là, x plus y est égal à 6. Tout à l'heure, là, nous disons comme ça, x plus y est égal à 6. Les lignes de nous. Là, nous, on parle de nous. Les lignes de nous, périmètre égale à n mètre. Sa périmètre égale à n mètre là, leads to this equation. Perimeter is equal to 1 meter, leads to this equation. So far, it's fine. La. Perimeter is equal to 1 meter leads to this equation. Now, why does examiner give you this information? Comme on dit à zut. Whenever your function, rappelle bien tout le temps. Whenever your function to differentiate, the function that is to be differentiated, whenever the function that is to be differentiated is in terms of two variables, les obligé dans une équation, que depuis dans cette équation là, you are going to make this become a function of one variable to be able to differentiate. This is a function of two variables. You will definitely not, you definitely cannot differentiate at this stage. You have to make it becomes either of R or completely in terms of theta. For you to make this either completely in terms of R or completely in terms of theta, you definitely need to have another equation which is going to make this become a function of only one variable. Alors, il y a soit dans une zone d'équation, soit il va dans une zone d'équation, il y a dans une zone d'information, and that information helps you to build that first equation, which in turn is going to make you have your area a function of only one variable R, or a function of only one variable theta. Let us have a look at it. Allez, pour ici là. Pour ici, from the first equation, ça veut dire rappel bien tout le temps. Parfaitement explique tout ça là, explique tout ça là, il n'y a pas de problème. Mais pas faire moi explique tout ça là pour qu'après je ne pas faire les efforts vous autres. Ici, qui me voit faire là? I'm going to make theta subject of home. Là, pas prendre par cœur. Pour ceux qui me disent, moi, monsieur, est-ce qu'il m'a fait A en termes de theta? Si oui, je viens de voir faire A en termes de theta, je viens de voir faire theta en termes A. Moi, ça qui me trouvait ici, me trouve living plus facile. C'est beaucoup plus facile pour me capable faire, pour me capable faire theta bien. Pour me capable faire theta bien en termes de subject en formula. Gete, ça, c'est theta qui peut tomber sans retirer de R sur R. Moi, appelé comme deuxième équation. Mais là, voilà qui me parle faire. Me parle remplace sa deuxième équation là dans A est égal à half R square theta. Ok, it's good, moi, pour remplacer ça. Deuxième équation là, dedans. Rappelle bien, vous autres, rappelle bien, vous êtes obligés de faire sa function area là. Obligés de faire sa area là, become a function of one variable. And the only way to do so is to use the first equation, which either you have been given or you have constructed on your own. From that equation, make either of these two variables. Make either of these two variables subject of formula. Ici, moi, je choisis pour faire theta bin subject of formula. Then you substitute that theta, which is subject of formula. You substitute it into the formula, which is a function of two variables. This is a function of two variables, right? This is a function of two variables.
Quand je t'infinis vers theta venant en termes de R, quand je remplace theta qui est égal en termes de R dans sa fonction qui est en termes de deux variables là, quand je remplace les dans sa fonction qui est en termes de deux variables là, automatiquement, qu'arrive? Voilà, here it is for you. Automatiquement, voilà, living and function of one variable. This is what we need. We needed a function of one variable. Pourquoi me souligner tout à l'heure là? For us to be able to differentiate. As far as tant qu'il y a une function of two variables, you will never be able to differentiate at this stage. You have to make it become a function of one variable. Soit je fais living A complètement en R, soit je fais living A complètement theta. It is up to you, but it should be a function of only one variable for you to be able to differentiate. Allez, let us have a look at it. Quel est pour venir ici? Allez, pour venir half de R. R pour couper R square. R cuts into R square. You have R remaining. En 100. On retire 2 R. Allez, casse bracket vite vite. Half R pour ça. Cela vous donne 50 R. Et ici, cela vous donne retirer R square. So here it is. Voilà. So this is A, which is a function of one variable. Du moment que j'ai A, living in function of one variable, this is really easy. Now we can differentiate at stationary A, which is at stationary area. La même chose. So at stationary A, dA upon dR is equal to 0. Pareil, moi je l'apprends. Oui, so dA upon dR is equal to 0 over here at any stationary point. dA upon dR, dy upon dx is equal to 0. So at stationary area, at stationary point, your curve. C'était dy upon dx égale à 0. At stationary area, where area is a function of R, dA upon dR is equal to 0. Allez, what is dA upon dR? Différence, c'est 50 R qui vous venez, 50. Différenciation de moins R square. Cela vous donne moins 2R est égal à 0. Alors cela vous donne 2R égal à 50, R est égal à 25. Cela veut dire que, so it implies que at R est égal à 25, et has a stationary. Ça veut dire qu'en R est égal à 25, ça veut dire qu'en R est égal à 25, A vient d'un stationnaire. Maintenant, get bien, dites-nous comme ça. Find values of R and theta for which the area is greatest. Get bien, for which the area is greatest. Dites-nous comme ça, quand R est égal à 25, get bien. Nous ne pas connaître là, hein? Allez, on va faire ça de ce bout là. Nous pas connaissons les greatest. Est-ce qu'ils nous connaissent les greatest? Les lignes de nous comme ça. Find values of R and theta for which the area of the sector is greatest. And piège ça, fais attention. For which it is greatest. Mais est-ce qu'ils connaissent? Allez, quoi me dire ça tout le temps? Dy by dx égale à 0. Quand dy by dx égale à 0, donne une bonne valeur x. Quand dy by dx égale à 0, donne une bonne valeur x. Est-ce qu'il dit y va dire x égale à 0 là, il connaît laquelle valeur x minimum soit maximum? Qui m'a dit tout à l'heure là? Que tout le temps, dit y upon dx égale à 0, il donne nous tout lit. Il donne nous minimum value, il donne nous maximum value tout lit. Algeté nous là, pour le second dérivative test, nous algeté, si vraiment il peut tomber le minimum ou soit il tombe le maximum, pareillement ici, quand on prend dA upon dA, on égale à 0. Quand on prend dA upon dA, on égale à 0. Ça va aller A égale à 25 là. Comment je te connais, ça va aller A est égal à 25 là, qui vraiment les de nous greatest area. Qui gravent de nous list area aussi. Nous besoin vérifier, we need to show examiners that we are aware of this part, les nous greatest area. Mais comment je te connais quand A égale à 25, les greatest area? Besoin tester vous autres. Vous avez bien saisi là. Alors, même si pas dire nous à tester, nous besoin tester parce que nous mentionne greatest et nous besoin vérifier si vraiment ça est égal à 25, c'est greatest area. So, basically, pour nous capable tester sa partie là, alors rapidement, nous allons faire nous d square A upon nous, nous allons faire nous d square A upon nous d square.
Vous avez bien saisi, il nous a fait nous d square a upon nous d au square. Et what is d square a upon d au square? D upon d a, c'est de nous ça. Ça, c'est mon d a upon d a. Comme on aurait différencié, on gagne moins 2 qui était ça, c'est négatif. Vous êtes tout d'accord que moins 2 c'est négatif? Alors cela veut dire que, le fait qu'il y ait négatif, vous êtes, le fait qu'il y peut tomber négatif, alors cela veut dire que, at A est égal à 25 cm. Allez, dis-moi, je même quand les tombes négatifs. Quand les tombes négatifs, ou soit quand 10 square et quand seconde dérivative tombe moins que 0. Tout le temps, quand seconde dérivative tombe moins que 0, qui arrive, il y a un maximum. Pas oublier tout le temps. Ça veut dire le fait que A, il peut tomber 25 cm, mais quand A est égal à 25, allez, what is 10 square A upon D square? Il tombe négatif là. Quand il est négatif, tout le temps veut dire un maximum. Ça veut dire que the area is. The area is greatest. Là, nous le confirmons. Vous avez bien saisi là. Ça veut dire quand A est égal à 25, the area is greatest. Ça veut dire là, on connaît que quand A est égal à 25, indeed it is confirmed. Ça veut dire là, on connaît quand A est égal à 25, it is confirmed that the area is greatest. Now, the fact that you have confirmed, the area is greatest. Maintenant, pas oublier, nous avons aussi qui valeur fit à ça. Nous avons aussi connu qui valeur A qui gagne greatest area. C'est quand A est égal à 25. Allez, rapidement, nous avons un petit coup. Nous avons un coup qui valeur fit à ça. Voilà, vous nous connaissez qui valeur fit à. You just tap into the formula which governs for fit à. From fit à est égal à 100. On retire 2 A sur A. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que fit à est égal à 100. On retire 2 fois. 25 divisé par 25. Alors c'est 100 retiré 50. Alors cela vous donne et 50, 50 sur 25, cela vous donne 2. Vous avez bien saisi là. Alors c'est pas au tableau, un petit coup de port ici. Alors so it implies que ça veut dire que quand A est égal à 25 cm and theta is equal to 2 radians, the area is greatest. Maintenant, il nous aussi dit à nous comme ça, find this greatest area. Mais c'est trop trop simple. Find this greatest area. Allez, area se formule qui est dit. Voilà. Ça, c'est area se formule. Vous avez saisi là. Ça, c'est mon formule de. Ça, c'est ma formule de area. Vous avez compris? Ça, c'est ma formule de area. Maintenant, dis-moi vous-même, si ça, c'est ma formule de area, et mon envie qu'on greatest area, pareil comme tout à l'heure, comme tu gagnes minimum value of t, vous utilisez remplace valeur x et y qui fait t gain minimum value, vous remplace valeur x et y qui fait t gain minimum value. Mais obviously, vous gain minimum value of t. Mais là, moi, je connais quand A égale à 25 et θ égale à 2 radians. Moi, je connais qui m'a gagné greatest area. Mais ça veut dire qu'on vous remplace. Ça veut dire qu'on vous remplace A par 25 et moi vous remplace θ par 2. Mais vous êtes, obviously, moi vous gagnez the greatest area. Parce que moi, je vérifie par calcul que quand A est égal à 25 cm. Fidèle il vaut 2 radians, mais on finit de vérifier que, alors, the area is greatest. Mais ça veut dire que mon prend place A par 25 et Fidèle par 2, I'm going to obtain the greatest area over here. Alors, cela vous donne combien? La half en 2 découpé, 25, alors c'est 600, c'est 625 cm². So, the next example now is going to be example 4.